Bonjour, alors je vais encore répondre à une autre question, c'est qu'on me demande souvent où je fais des stages. Alors effectivement, je fais une petite vidéo. Déjà, vous avez remarqué que j'ai fait presque une vidéo tous les jours pendant encore peut-être 15 jours. Après, je vais ralentir un peu, une tous les 3 jours peut-être. Voilà, bon, ça dépendra des permis. Mais pour l'instant, j'en fais beaucoup parce que cette chaîne est pour moi très importante. Voilà. Et elle permet d'avoir une formidable communication. J'en suis en moins de 6 mois à environ 2500 abonnés, 2600 même. Et donc ça me fait énormément plaisir de communiquer. Il y a des échanges que je trouve judicieux. Il y a une communauté d'esprit autour de l'art qui me plaît. Voilà. Donc ça, c'est quelques mots pour la fréquence des vidéos. Maintenant, où est-ce que j'enseigne? Eh bien, j'enseigne déjà dans mon atelier, c'est ici, vous l'avez déjà vu, c'est un peu la pagaille d'ailleurs en ce moment. Excusez-moi, je ne fais pas très attention à mes fonds en vidéo. Mais en fait, j'enseigne ici à des élèves réguliers depuis 30 ans. C'est devenu des amis, évidemment. J'ai beaucoup de plaisir à les retrouver. Il y en a 5, je crois, sur les 5 sur mes 20 élèves qui sont là depuis 25 ans. Donc, c'est vraiment un lien d'amitié, etc. Dont certains qui ont eu des prix, etc. Voilà, bon, ça m'amuse beaucoup parce que j'y crois pas énormément à tout ça. Mais en même temps, il y a une espèce de convivialité, une amitié, c'est autour de l'art, donc c'est vraiment très agréable. Mais ça, il faut habiter évidemment dans la région de Vittel. Mais ceux, s'il y en a, il y a rarement des places. Hein. En ce moment, c'est toujours plein. Ensuite, il y a deux types de stages. Il y a des stages que je fais réguliers, mais dans le cadre d'associations. Mais en général, ils sont pleins aussi. C'est des associations qui rassemblent 8, 9, 10 personnes. Je salue Agnès de Mélisée. Je salue Bernadette de côté de Nancy. Alexou. Et puis beaucoup d'autres. Et je vais faire actuellement dans mes programmes. Je fais régulièrement des stages donc à Mélisée et à Nancy, mais c'est dans des cadres, c'est déjà plein. Ensuite, je fais des stages j'en ai deux qui sont programmés. Un en Bourgogne, mais il est plein aussi. Et un autre qui n'est pas plein, et c'est surtout pour cela que je fais cette vidéo, c'est à Montignac, le 1er, le 2 et le 3 novembre. S'il y en a qui sont intéressés, je vais mettre... vous pouvez regarder sur Facebook, il y a l'indication. Je vais mettre en dessous de la vidéo le lien avec le stage. Voilà. En fait, c'est un stage portrait. Alors, les stages, c'est sur quoi? C'est très variable, en fait. Là, parlons maintenant du contenu. Bon, j'ai d'autres stages, mais plus tard, l'année prochaine, etc. Donc, c'est pas urgent, je referai d'autres vidéos. Le contenu, là, par l'exemple de Montignac, c'est sur le portrait. Et je fais souvent des stages sur le portrait parce que c'est un des stages qui est les moins. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup qui font du paysage, nature morte, etc. Peut-être parce que, bon, j'aime le portrait d'une part, et il y a une demande. Et en fait, dans mes stages, je ne viens pas avec des informations précises que je dois transmettre dans la tête des gens qui viennent dans mes stages. En fait, je considère l'enseignement comme une espèce de connexion. Alors bien sûr, je dois moi avoir un niveau technique suffisant, je pense que je l'ai, et je dois donc quelque part être disponible pour expliquer les principes, pour corriger quand les gens font les exercices, ou les portraits, selon les gens qui ont des bons niveaux aussi. Et troisième élément, je dois, moi, faire beaucoup de démonstrations. Et en fait, je ne fais pas un stage standard, du style, j'arrive, on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Dans un stage, je tâte d'abord la température. Moi, mon savoir-faire, il est là. De toute façon, j'ai mon matériel, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vais adapter ce que je sais faire à ce que je ressens que les gens ont besoin de comprendre, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. C'est mon rôle un peu de coach et je dois... Il faut agir en artiste même dans l'enseignement, c'est pas une mécanique mentale. Parce qu'on n'enseigne pas seulement avec le mental, on enseigne aussi beaucoup avec la gestuelle, le ressenti, le feeling,
Il y a des moments magiques, des choses qui se passent dans le regard, dans la perception, dans le ressenti, dans la représentation. Et c'est tout ça qui se met en mouvement dans le cadre d'un stage. Ensuite, dans le cadre d'un stage, les gens ont par exemple des inquiétudes, des doutes, des fois même des crispations, des angoisses même. Eh bien, mon rôle est de ressentir, de laisser glisser tout ça. Parce que quand une personne a une difficulté, eh bien, ça peut être le point de départ d'une énergie qui va être nécessaire à comprendre des choses. Il peut y avoir des angoisses dues à des déblocages. Des choses qui attendent, qui sont juste là, puis pouf, ça sort. Et donc, il peut y avoir une infinité de solutions, de situations. Et moi, mon rôle en tant qu'enseignant, c'est de répondre sur tous les plans, techniques, analyse des ressentis, des résultats, des effets, de l'énergie de la personne, de la psychologie de la personne, de la psychologie du groupe. Voilà, parce qu'en fait, dans un groupe, il y a bien sûr des informations qui vont du prof avec les élèves, mais aussi il y a une circulation des informations entre les élèves. Et ça, c'est très important parce que quand vous voyez votre collègue, votre voisin qui fait quelque chose, qui arrive à faire quelque chose, ça vous enlève le blocage. On dit donc c'est possible pour moi aussi. Parce que quand c'est le prof qui le fait, on dit ah oui, mais c'est le prof, lui il y arrive, moi j'y arrive pas. Alors que sans ses copains à côté, on se dit ah non, il n'y a pas de raison, je dois y arriver aussi. Donc le groupe joue un rôle fondamental. Voilà un petit peu ma manière d'aborder l'enseignement. Après, j'enseigne la peinture à l'huile, le pastel, indifféremment. Des fois même dans les mêmes stages. C'est pour cette raison, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour organiser des stages, voilà, donc ça donne une espèce de vision du contenu. Souvent, j'ai un thème principal, mais j'essaie aussi, comment dire, de répondre aux besoins de chaque personne. Par exemple, si dans un stage il y a 9 personnes, il y en a 6 qui font de l'huile et 3 du pastel, c'est pas un problème. Inconsciemment, celui qui fait de l'huile va entendre ce que je dis pour le pastel et inversement. Ensuite, il peut très bien y en avoir dedans un ou deux qui vont faire, par exemple, des portraits et d'autres qui vont faire des paysages. Quelle importance. Ce qui est important, c'est la gestuelle, je répète, c'est la capacité à mobiliser l'énergie, mobiliser sa perception, son ressenti pour accomplir, comment dire, quelque chose, découvrir quelque chose et le partager avec les autres. Voilà un petit peu l'essentiel. Alors, après, il ne faut pas non plus que ce soit la pagaille, il ne faudrait pas vraiment qu'il y ait 9 personnes qui font des choses différentes, mais en général, il y a deux groupes un peu décalé, un de 6, un de 5, un de 6 et un de 3 qui font des choses différentes et une personne isolée qui vient pour un truc précis. Mais comme il n'y a pas grand monde, il y a 10 personnes maximum, dans le cadre d'un stage de 3 jours, je fais le tour de chaque personne et finalement je m'adapte à chaque personne. Et j'essaye que chaque correction que je vais faire pour telle ou telle personne soit utile à toutes les autres personnes. Ce qui fait qu'il y a une espèce de nébuleuse d'informations articulé sur un travail instinctif. Et certains n'aiment pas enseigner comme ça, et moi je ne veux enseigner que comme ça. Parce que, en fait, on s'adresse à quelque chose de beaucoup plus vaste que la tête des gens quand on enseigne. Et c'est le seul moyen pour moi qu'il y ait une espèce d'imprégnation globale qui fait qu'il y ait une espèce d'enthousiasme de l'apprentissage. Voilà. Et c'est dans l'enthousiasme, l'enthousiasme donne de l'énergie donne la capacité donne l'envie, il y a un effet réflexe qui fait qu'il y a du succès qui suit, et ce succès, de nouveau, réencourage. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux. Alors qu'il peut y avoir l'autre cercle négatif qui fait qu'on doute de soi, on fait donc des erreurs, on est angoissé, on n'a pas la spontanéité, on joue petit bras, comme on dit dans le sport. L'échec engendre l'échec, etc. Cercle vicieux. Et c'est pour cette raison que j'élimine complètement la compétition de l'esprit de tous mes stages. Je ne veux pas qu'il y ait de compétition parce qu'une personne débutante, ce qui compte, c'est l'endroit où on se situe et la capacité à se projeter plus loin.